Ça fait de l'effet parce qu'on le voit partout. Impressionnant. Bienvenue à tous et merci d'être présents pour accueillir ce soir à Grévin une femme aux multiples talents. Nous n'avions jamais accueilli de mannequin, parolière, compositrice, chanteuse et ex-première dame. Une équation assez difficile à reproduire puisqu'elle réunit des qualités multiples et variées, la beauté, l'élégance, l'intelligence, des talents artistiques, la sympathie et la générosité. Chère Carla, toi qui as connu sur les podiums Inès de la Fressange ou Naomi Campbell, Jean-Paul Gaultier ou Chantal Thomas, ben tu vas les retrouver ici même. C'est dire, chère Carla, qu'il ne manquait que toi dans ce temple de la gloire. Au nom de l'Académie Grévin et à titre personnel, parce que tu connais mon affection, je suis heureux de t'y souhaiter la bienvenue. Faites, mais évidemment on se voit jamais puisqu'on se voit de l'intérieur. Et même quand on a été prise en photo autant que je l'ai été, de se voir ainsi, c'est impressionnant, déconcertant et c'est un honneur. Voilà, je suis très heureuse parce que quand on sera plus là, ce qui arrive à tout le monde, c'est connu aussi, eh bien moi je serai quand même avec mon mari pour l'éternité. Et ça, ça me fait un grand plaisir, je voudrais remercier l'Académie Grévin de me donner cette occasion d'éternité. Toute l'équipe du Musée Grévin, remercier le sculpteur, remercier toutes les personnes qui m'ont aidé. Merci. Pour moi, la Maison Grévin, c'est magique. C'est aussi un parfum relié à mon enfance, tous ces personnages légendaires qu'on pouvait voir. On avait visité le musée avec l'école et ça m'avait beaucoup impressionnée. Jamais j'aurais imaginé à cette époque-là faire partie un jour de tous les personnages. L'équipe m'a proposé de poser avec la guitare et évidemment ça m'a tout de suite beaucoup plu, ça m'a touché le cœur. Je passe ma vie avec ma guitare donc c'est réel quoi. Quand on voit la statue effectivement ça fait un choc parce qu'on ne se voit jamais complètement comme ça. Là il y a une impression comme de se voir vivant soi-même ou en tout cas figé dans une espèce d'éternité. Donc ma première impression a été une stupéfaction, un choc. Comme si je sortais à l'extérieur de moi et que je me voyais. Je travaille toujours beaucoup mes discours, mais c'est une immense artiste et c'est une femme qui a un cœur d'or, c'est une véritable amie. Très très belle soirée, de très beaux discours, une belle statue, Carla Bruni splendide. On a été très honorés d'avoir Nicolas Sarkozy parce que c'est pas tous les jours qu'on a un ancien président de la République qui visite, qui est présent à Grévin. Bah, d'abord ce qui est génial c'est qu'elle a sa guitare. Donc ça veut dire que c'est important pour elle d'être artiste et pour moi c'est d'abord une artiste. Et la deuxième chose, je dirais que la statue de cire de Carla Bruni ne laisse pas de marbre. Voilà. Merci à l'Académie Grévin, merci au Musée Grévin, merci à tous.